Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre Let's Play sur Planet Zoo. Donc première chose, je vais vous montrer un petit peu, j'ai avancé un petit peu ce bâtiment. Je sais plus si je l'avais fait avec vous. Je me souviens plus où je m'en étais arrêté, je sais plus. Je sais plus trop, mais je crois que je l'ai continué hors vidéo il me semble. Hein. J'ai fait le toit là, je crois pas que j'avais fait le toit comme ça. J'ai fait un peu de déco là, il me semble que je vous avais pas vu, vous aviez pas vu ça. Et donc là, il va falloir maintenant dupliquer toute cette partie de l'autre côté. C'est l'idée. Mais avant toute chose, on va prendre ça, on va saluer les gens juste pour récupérer les trucs. Et je vous en ai parlé la dernière fois de l'arrivée du nouveau DLC sur l'Afrique. J'ai la chance de l'avoir obtenu grâce aux développeurs, donc on les remercie grandement de nous fournir la clé. Comme ça, je vais pouvoir vous le présenter dès maintenant, dès aujourd'hui. Un peu le contenu qui est arrivé. Je vais pouvoir voir aussi ce qu'il y a de nouveau. Donc déjà, il y a des nouveaux animaux. Il y a des nouveaux animaux. Alors, on va les trouver. On va les trouver. Le fennec. Voilà, premier animal, le fennec. Qui vit en Afrique. Donc, on va pouvoir faire quelque chose avec ça. Alors, 6 mâles et 6 femelles, ok, donc on pourra acheter ça, c'est pas mal. On va attendre un petit peu pour les acheter parce qu'à mon avis, ça doit être la folie sur le marché. Donc le fennec, ensuite on a le manchot du Cap, si je ne m'abuse, qu'on n'avait pas avant, qui est ici. Qui a un biome aquatique et désert. Ah, ça va être intéressant ça. Ah! Groupe jusqu'à 500 mâles et 500 femelles. Ok. Entre 6 et 500. Très bien. Taille de l'habitat. Oh, ça va. 180 mètres carrés. De l'eau. De la profondeur. Ah, ça c'est intéressant. Ils ont besoin d'une certaine profondeur. Les manchots royaux, on les avait déjà, je crois. Hein. Ouais. Ensuite, on a le rhinocéros blanc du sud. Voilà le magnifique rhinocéros blanc. Ça, il y en a beaucoup qui l'avaient réclamé. Hein, ça faisait longtemps. On avait le rhinocéros indien, mais le rhinocéros d'Afrique, comme ça, beaucoup le voulaient. Le scarabée Goliath, je crois. Ouais, je crois que c'est un des nouveaux, celui-là aussi. Voilà. Scarabée sacré, non, lui on l'avait déjà. Lui on l'avait déjà. Ça on y avait tout déjà. Le suricate. Très très joli. Et en plus, eux, apparemment ils font des terriers, ils creusent tout ça. 20 mâles, 20 femelles, ok. Donc on prendra des reproducteurs comme on fait d'habitude. Ah, ils peuvent vivre avec les oryctéropes. Ah, c'est intéressant ça, j'ai pas regardé d'ailleurs. Rhinocéros, je suppose que. Ah, si, les rhinocéros peuvent venir dans les autres. Les Nyalas, on les avait pas les Nyalas non plus. Si? Ah, si, peut-être. Peut-être. Ah, ils ont. Optimisation interespèce. Alors, c'est marrant là, l'okapi. Le Nyala, juste avec le rhinocéros du sud, alors que le rhinocéros du sud, lui, il peut vivre avec d'autres trucs. C'est marrant. Qu'on les mettra peut-être ensemble. Le suricate avec le rhyctérope. Donc sûrement qu'on les mettra ensemble. Et je crois que c'est tout. Et oui, c'est tout. C'est déjà pas mal, vous me direz. Ça fait 4 ou 5 animaux en plus. Voilà. Ensuite, construction. Moi, c'est ça qui m'intéresse le plus. Alors là, on va pouvoir mettre le thème de l'Afrique. Non. Comment on fait déjà? Pack de contenu, voilà. Pack Afrique. Moi, il me manque Asie du Sud-Est, sinon les autres, je les ai tous, je crois. Pack Afrique. Quoi, il n'y a que ça en construction, Pack Afrique? C'est pas possible. C'est pas possible.
Alors, se balader comme ça, c'est pas possible qu'il y ait que ça. Je suis sûr qu'il y a plein de choses qui ont été ajoutées, je les ai vues. Là, je suis bien sur tout là, ouais. J'ai fait la mise à jour. J'ai les animaux en plus. Ah, mais attendez. Recherche, non, c'est pas vétérinaire du tout. Oula, ça fait une éternité que j'étais pas allé dedans. C'est pas vétérinaire, c'est les recherches mécaniques. Et oui, voilà, thème Afrique du Nord. Donc là, on va aller mettre quelqu'un dessus tout de suite et on va aller voir ce qu'il y a dedans. 165 éléments, donc c'est très ouais, Afrique du Nord, bah voilà, c'est marqué en plus, c'est ce que j'allais dire, donc du coup c'est très Afrique du Nord, donc ça va être très intéressant parce que on va pouvoir faire notre zone ici là où je voulais faire la pyramide, tout ça, on va pouvoir faire un espèce de petit village village Afrique du Nord, alors que là ça fait plus ça fait quand même plus Afrique centrale, quoi. Voire Afrique du Sud, quoi. Enfin, Afrique centrale plutôt. Hein. Vraiment. Donc là, on pourra peut-être avoir le début d'un petit village d'Afrique du Nord. Là, on va avoir des animaux. Je me rappelle plus comment ce que j'avais dit. Hein. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué à Planet. Enfin, si, ça fait un petit moment que j'avais pas vu ce que je voulais faire ici. Il faudra qu'on réfléchisse. Peut-être qu'on mettra les rhinocéros, là, du coup, avec les oryctéropes. Ça pourrait faire les deux. Enfin, non, pardon. Les rhinocéros, c'est avec les. C'était avec quoi déjà? Les Nyala? Ouais, les Nyala. Les oryctéropes et les. Et les. Comment ça s'appelle déjà? J'ai le nom anglais, les meerkats. Mais en français. Les suricates. Voilà. Les suricates. Peut-être qu'on les mettra par là. Avec des petites maisons là au fond du coup. Je ne sais pas. Parce que là on est encore bien dans le thème Afrique de centrale. Donc du coup peut-être qu'on restera Afrique centrale ici et qu'on se mettra plus par là Afrique de l'Est. Afrique du Nord, pardon. Là, je sais plus si je vous avais montré aussi les montagnes. J'avais terminé celle-ci et là j'avais commencé un peu à en faire une autre de ce côté-là. C'est très très long à faire les montagnes. Tiens, il y a un arbre qui traîne au milieu là. Hop, poubelle l'arbre. Ok. Bah voilà, donc maintenant on n'a plus qu'à attendre que la recherche se fasse. Donc du coup on va mettre lecture et on va regarder, ça on s'en fiche, on va regarder un peu ce qui se passe. Pas ici du tout, à ce niveau-là. Voir si on a des naissances ou des trucs comme ça. Donc lui, un varirou. Qui est ici, qui est déjà en train d'être déplacé. Destination non définie, oui. Donc lui, on. Comment ça, destination non définie? Oh, comment ça? L'escargot tigre, il est petit. Très bien. Là, on a des services inaccessibles, c'est normal. L'escargot tigre, alors attention parce que ça, dès que ça fait des petits, ça en fait des. Une ribambelle, voilà. Alors, ça on vend. Ça on vend. Tout, 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 tout. On va garder ces deux-là. Hop, clac. Envoyé au centre d'échange. Déplacer vers le centre d'échange. Toi, on va sortir l'animal de la caisse. Et est-ce que c'était elle? Je ne sais pas. Celle-là. Non, c'est pas elle. Oh là là, attendez. Ça va trop vite. C'était où? Mandin le varirou. Elle, c'était elle, voilà. Elle, on va la déplacer. Envoyer l'animal au centre d'échange. Ouais, ça c'est ce que je voulais faire. Ensuite. Blablabla. Guépard est arrivé au zoo. Le springbok est gestante, ok. A eu des petits escargotiques, voilà.
Le dingo a rejoint un groupe. Le dingo a eu des petits et un dingo a rejoint un groupe. Ok, très bien. Voilà, donc on va remettre lecture. Et en même temps, on va continuer un peu. Notre construction ici. Peut-être qu'on va regarder un peu ce qu'on fait dessous là. Parce que on a fait un bâtiment avec des trucs. Un animal dangereux s'est échappé, comment ça? Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Comment elle s'est échappée, elle? La hyène là, c'est quoi ce bordel? Alors attendez, hop, stop, toi. On va. Ah! Stop! Stoppez-moi ça tout de suite. Comment? Pourquoi? What? What? Ouais, bah bien être, oui, c'est normal, t'es dans la flotte. Tu sais pas nager. Hop. Alors. Ça y est. Un truc chelou. C'est l'habitat zone traversable. Oui, non, mais moi, c'est elle que je veux voir. Ok. Alors là, effectivement, il y a des points d'évasion en sautant. Mais comment ça se fait? C'est simple, on va mettre une grosse pierre. Hein. On va prendre une grosse pierre comme ça. On va faire CTRL D. La grosse pierre, on va la mettre comme ça. Clac. Hop, et on n'en parle plus. C'est légèrement dégueu, mais. Et là, comment ça se fait? Ok. Donc là, si je prends L. De la nourriture. Miam miam. De la bidoche. De la bidoche. Alors là, on remet lecture. Quelqu'un qui va être adulte. Le bien-être de l'animal a-t-il manifestant. Ah putain. Alors ça, c'est pénible. Je sais pourquoi en plus. C'est sûrement à cause de ça. Voilà. C'est parce que ça, c'est buggé. Hop, là, boum, et là on est bon. Voilà. Et là normalement les bonobos ça devrait aller maintenant. Voilà. C'est bon. Comment ça se fait qu'ils ont. Ils sont trop espace. Zone insuffisant. Ils sont trop les bonobos? Ah, attendez. Là mon bonobo. Ah oui, il peut pas escalader là-bas non plus. Oh putain. Ça y est. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe encore? Voilà, eux ils sont remontés, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Là il y a des points d'escalade apparemment, mais des points où ils peuvent s'échapper. On verra. Ils ont l'air beaucoup les. Ils ont l'air bien nombreux les bonobos là. Bonobo. Lui à vendre, lui à vendre, lui à vendre. Tac tac tac. D'ailleurs, elle. Ouais, ils sont tous, ils ont pas d'étoiles. Peut-être qu'on pourrait la garder. Parce qu'on a beaucoup de reproducteurs, mais du coup on a plus de. Ouais, on pourra la garder peut-être. Plutôt que de la vendre, elle, la femelle. Bon, animal dangereux s'est échappé. Alors ça, c'est pénible. Clac. Où c'est qu'elles sont, mes hyènes? Où c'est qu'elles sont, mes hyènes? Ça c'est moche comme tout, hein. On est d'accord. On va prendre celui-là, CTRL D, sauf que
On va faire ça. Paf. Voilà. En espérant que ça arrange les choses. Alors là, ça c'est une hyène. Ok. Alors là. Oh, elle peut encore sauter ici, mais c'est pas possible ça. Ça, je le décale comme ça. Comment ça se fait qu'elle peut sauter là? Ça, je comprends pas. Ah, bah voilà. Parfait. Alors, attendez, parce que les jeunes, des fois. Ouais, voilà. Les jeunes, ils ont pas les mêmes façons de réagir. Il faudrait que je prenne un autre rocher, pas le même. Soit plus joli. Hop. Alors vas-y toi. C'est bon. Par contre là on en a encore un point où ils peuvent. Il va falloir faire ça, quelque chose comme ça. Comme ça. Hop. Ok. Alors la hyène. Non, la hyène. Voilà, bon, elle peut plus monter comme ça, au moins, c'est clair. Voilà. Normalement, là, on est bon, hein. Elle est petite. Trop longtemps dans une caisse. Alors, attendez. Hop. Donc là, les hyènes, on est bon. Non, elle a sauté, là. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que cette histoire là encore? C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Encore un animal s'est échappé, mais bordel. Oui, bah oui. Hop, voilà, merci. Trop longtemps dans une caisse. Sortir l'animal de la caisse. Il y a d'autres animaux dans des caisses là? Alors. Bien-être faible, c'est normal. Ok, dans la caisse, blabla. Et là, l'animal est stressé. Social, bien-être, ça on s'en fout. C'est normal. Alors, lui, blablabla, il faut faire la queue. Électricité, centre de recherche. Ah! Zut. Faut qu'il aille dans un centre de recherche pour faire des recherches aussi. Mince. Alors c'est qui est dedans là? Il faut aller enlever lui là. Si je prends lui là. Ouais, je peux pas être récupéré toi. Ah non, c'est un veto ça. Non, c'est pas un veto. Si c'est un veto. Donc c'est lui, ok, donc c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Là, je vais aller voir un petit peu parce que j'ai loupé des trucs. Springbok est adulte. Alors, lui, habitat. Propreté. Ah. Soigneur assigné en urgence. Ouais. Ouais. Alors. Un dingo est adulte. Oh là là, il va falloir suivre. Oh là là. Je leur avais pas donné de nom, eux. Ah oui, les dingos, je les laisse se débrouiller, j'avais dit. Les dingos, ils se débrouillent, tant pis. Je pourrais me prendre la tête avec les dingos. Alors lui, c'est un mâle. On avait dit qu'on le vendait. Bon, on va le vendre tout de suite. Relâcher l'animal dans la nature. Ah, parce que ça rapporte pas grand-chose. Remarque, 35. 35. Je suis à 25 000. Les crédits là, on s'en fout un peu, non? Est-ce qu'on s'en fout pas très pas un peu, ouais. Allez hop. Alors, les varirous ont fait des petits, les lions d'Afrique ont fait des petits, les zèbres ont eu des petits. Les zèbres est adulte. Donc lui, ouais, lui on va le vendre, c'est un mâle. On le vend.
Donc ça rapporte pas beaucoup les aimants. Hop. Tac tac tac, le lémur kata est adulte. Alors ça devait être une femelle, on a dit qu'on l'a gardée, ouais. Elle a des bonnes stats, ouais ouais ouais. Alors elle, on va la déplacer au centre d'échange. Voilà. Tac tac tac. Statut d'alpha springbok, ah bon. Lémur kata est adulte. Alors, c'est une femelle. Tiens. Ah oui, stat pourri. On vend. Non. C'est pas ce que je voulais faire, c'est pas grave. C'est pas grave. On la vendra. Un gorille de plaine de l'Ouest adulte. Ah, une femelle, très bien. On va la garder, envoyer au centre d'échange. Voilà. Allez. Pourquoi ça va marcher? Très bien. Ok. Parfait, parfait. Là, on va mettre pause juste 2 secondes. Un bonobo va mourir de vieillesse. Ok, on va mettre pause juste 2 secondes. Bon, alors. Ça, on va appeler un vétérinaire. Ok. Voilà. Non, moi je voulais voir les animaux. Centre d'échange. C'est ça mon centre d'échange. Varirou. Varirou, Varirou. Non, c'était elle. Voilà. Relâcher la nature. Hop. Voilà. Et là, les recherches sont où? À moitié, hein. Moitié, moitié. On va pouvoir bientôt voir ce qu'il y a dedans. J'avais dit qu'il fallait que j'aille voir les animaux, parce qu'il y avait eu des naissances. Ah, j'aimerais bien mettre pause quand même, parce que... Alors, j'avais dit les lions. Les lions, je sais plus ce qu'il y avait d'autre. On va regarder comme ça. Kangourou, j'ai qu'un mâle, ouais. J'ai qu'une femelle, kangourou. Faut que je fasse gaffe, là. Pourquoi je l'ai mis centre d'échange? Ah, parce que ça doit être la fille de mon mâle. Donc, il va falloir que je change mon mâle. Il faudra que je mette plus de femelles, hein. Il faudra que j'achète des femelles, hein. Dis donc. Enfin, j'achète des femelles. Ça se trouve, elle est stérile déjà. Alors, les lions, ils ont eu des petits. Voilà. On a eu une femelle. Oh, qui a des stats pourries. Ah oui, fertilité 1. Ok. Bah, toi, excuse-moi, désolé, mais on va te vendre. Désolé, c'est la vie. J'aimerais bien avoir d'autres femelles reproductrices, moi. J'en ai pas mal déjà. J'en ai quelques-unes. Les lémures, tiens, ils avaient fait des petits, non, c'est pas ça. Non, c'était les varirous alors. Clac, 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 clac. Les springbok aussi, peut-être bien. Non. Les varirous, ouais. Ah, j'ai un bébé, c'est un mâle, on le vend. Les mâles, on les vend. On s'embête pas. Et les zèbres, après. Ça, c'est un mâle, on le vend. Ça, c'est une femelle dorée. Avec une médaille d'or. Est-ce qu'on la garderait pas, celle-ci? Si. Si, si. On va la garder. Pourquoi ça la renomme pas ici? Voilà. On va la garder. Et les zèbres. Ah, une femelle. Bon, elle a une médaille de bronze, mais. Peut-être qu'elle se gardera. Ah, on voit directement là. Fantastique. Elle est juste une fertilité pas trop top. Ouais, on va la garder. On verra pour plus tard.
Ok, donc là c'est parfait. Hop, qu'est-ce qui s'est passé là? Un phacochère commun est adulte à vendre. Un phacochère à vendre. Gestante, alors ça. Animal mort, on verra. Donc là. Je l'avance celle-là? J'aurais pu la garder. Moi, je vais la garder. Même si elle a une immunité un peu faible. Elle a une médaille d'or, on va la garder. Envoyé au centre d'échange. Ok, donc ça c'était elle. Et Adebayo, qui est un mâle, qu'on va vendre tout de suite. Relâcher la nature. Hop là, oh là, ça se vend rien du tout ça. Très bien. Zèbre des plaines a eu des petits encore. Encore. Eh bien, on va aller dans la zone. Enfin, ici. Hop, les zèbres sont à la fin. Encore un petit. Oui, un petit mâle qu'on vendra du coup. Hop, voilà. Très bien, on fait un peu de gestion du coup en attendant que ça soit fini. Non, c'est pas ça que je voulais voir, c'était ça. Tac, 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 tac. Ok. Zut, c'est la nuit, je voulais continuer un peu ma construction en attendant, mais ça va être compliqué. C'est la nuit et en plus il pleut. En plus il pleut. Je suis assez content de ce bâtiment. Le seul truc qui me gêne un peu, moi, c'est ces poteaux là. Enfin, c'est. Oui, c'est. Ces colonnes là. Faudrait qu'il y ait quelque chose sur ces trucs là. Peut-être que je vais y mettre une poutre qui fait le tour, on verra. On verra. On verra, on verra. Bon, c'en est où ça? Ah, c'est bientôt là. Si je fais accélérer, là, ça va vraiment plus vite. Ah oui, ça accélère ça, vraiment. Ok, très bien. On va attendre de là, quand même, de voir ce qui se passe aussi. On va surveiller. Dès qu'on a débloqué le truc, on le fait. Alors, Variru est gestante, donc ça, on s'en fout. Quand on va vite, ça fait ramer le jeu. Hein. Ça saccade. Hein. Bon. Allez. Moi, je veux juste avoir mon truc. Moi, je veux ça. Allez. Oui, ça va être fini. Paf. Allez. Bim. Thème d'Afrique du Nord. Maintenant, on met pause. Ça, on le laisse finir. Là, on va regarder ce qui se passe. Ah, les casoirs à casque. Il est adulte, du coup. Ça me l'a pas dit. Ça me l'a pas dit. Ah si, c'est ça. Adulte, adulte. Alors. Celle-là. On a dit qu'on la gardait, donc on l'envoie au centre d'échange. Et celui-là, casoir à casque, on le vend. Pouf. 14. Ça de la merde. Springbok adulte. Une femelle, ouais. Hop, on vend. Enfin, relâche la nature. Ok. Alors, du coup, on va pouvoir aller voir un peu ces nouvelles décorations. Donc là, si je vais dans construction. Maintenant, je devrais pouvoir avoir le pack de contenu Afrique. Ah, voilà. Très bien. Il y a pas mal de choses. Ah ouais, voilà, des trucs pour faire des bâtiments très Afrique de Afrique du Nord, quoi. Comment ça s'appelle? Style maghrébin un peu. Voilà, égyptien aussi. Des petites formes, ok, des décorations, des assiettes. Un bloc de plâtre carré. Ah, ça c'est intéressant, enfin des trucs. Des colonnes, voilà, ça c'est très égyptien là. Tout ça là, les colonnes comme ça là.
Là, on va pouvoir faire des trucs stylés. On va pouvoir faire un temple égyptien et tout. Une corde. Ah, ça, c'est des toutes petites cordes. Ok, ouais, très bien. Ok, des bâtiments, ouais, voilà. Ok, des décos comme ça. Des petits parapets. Conduit d'aération. Waouh, les colonnes. Waouh, les colonnes. Waouh, ça va être stylé. J'ai déjà plein d'idées. Un cône en plâtre. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est censé être que ce truc? Je ne sais pas. Des cordes. Ça c'est quoi? Des dalles en céramique. Attendez, y a pas un endroit où il y a du... Ouais, voilà, ici. Où il n'y a pas d'herbe. Une dalle en céramique. Est-ce qu'on peut choisir sa couleur? Ouais. Ok, c'est pour faire des mosaïques. C'est pour s'éclater à faire des mosaïques. Ok. Ok, des décos de chameaux, des mosaïques toutes faites. Ça c'est cool, les mosaïques toutes faites. Ah, les petites fenêtres comme ça. Sympa. Ok, paf paf. Ouais. Enfin, une fontaine. Ah, ou des plantes plutôt. Un lampadaire. Oh, il est méga grand. Un habillage de plâtre. Ok. Des coins, ouais. Ah, les trucs égyptiens. Ouais. Petite déco égyptienne comme ça. Ah, c'est stylé. Ça, c'est joli, ça. Truc de vitrail. Des panneaux comme ça. Des parasols. Des poutres en bois peintes. Ouais. Bon, des statues, ça, on s'en fout un peu. Ouais. Ok, un dôme. Ah, ça, c'est stylé. Ouais, bon, ça, c'est des tours, faire des bâtiments. Des portes avec des poignées comme ça. Des équerres en métal stylé. Ça c'est quoi? Des panneaux en bois. C'est des dalles quoi. Tonnelle. Ok, pourquoi pas. Ouais, des poutres. Ah oui, ça pour faire des tonnelles comme ça, ok. Ouais, je vois le genre. Ok, et eh ben il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. On va se régaler quand on va faire ici la zone là. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a des grosses briques en plâtre. C'est sûrement avec ça qu'on va faire notre pyramide du coup. Celle-ci peut-être. On verra. Oh, des panneaux pour cadre éducatif. Un cadre pour panneau éducatif, pas mal. Ok, donc les nouveaux objets sont assez sympathiques. Je pense qu'on va bien s'amuser. Mais d'abord, on va terminer ce bâtiment-là, au moins. Au moins, voire même toute la zone, avant de s'attaquer à ça. Parce que je vais essayer de me trouver des idées, un peu de trucs à faire. J'ai quelques idées, hein. L'histoire de la pyramide, le truc comme ça qui va être au sommet de la pyramide. Là, il faudra modifier pas mal ce truc, hein. Là, ma pyramide, elle serait par là, a priori, je pense. Ouais, ma pyramide sera par là. Je suis un peu trop près de ma montagne presque, faudrait peut-être que je la fasse par là, la pyramide. On verra, parce qu'après on va faire vers l'Asie là-bas, et là je vais faire quoi du coup? Dans la pyramide on va la faire par là, même si elle vient s'encastrer dans la montagne. On va faire la pyramide par là, avec en haut de la pyramide l'arrivée de mon téléphérique là. En bas de la pyramide on aura des dromadaires
ou les chameaux, je sais plus lesquels c'est, et des crocodiles marins. Ce sera pas mal ça. Ensuite, donc peut-être d'un côté, ensuite de l'autre, là par là, en se dirigeant par là, on aura un petit village d'Afrique du Nord, donc avec boutique, etc. Ou plutôt par là, parce que là, si je pars après sur l'Asie, faudrait que ma pyramide soit le lien entre l'Asie, ou pas forcément, remarque. On s'en fout un peu. Faut qu'on réfléchisse, surtout que là on va avoir notre thème classique là tout le tour là. Donc on va avoir des rues. On va essayer d'avoir une espèce de rue avec des bâtiments pareils. Ah ouais, il va falloir voir comment on fait. Peut-être qu'on fera des espèces d'immeubles un peu à la parisienne où les feux, où les gens pourront se balader dedans. Et les fenêtres donneront sur des enclos. Pourquoi pas? Ça pourrait être une bonne idée, ça. Avec des espèces de petits balcons. Ou les petits. Ouais, les petits balcons, ce serait pas mal, ça. On verra. Là, je commence à ruiner. Faudrait que je me fasse des croquis. J'ai des idées, mais maintenant, faut que je les croque. Voilà. Et ben voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. On va s'en arrêter là. Comme ça, je vous ai montré un peu le nouveau DLC. Oh, bon, après, il y a pas mal de nouvelles. Ah, il doit y avoir des nouvelles plantes aussi. Il y a des nouvelles plantes. Afrique. Ouais, il y a quelques. Oh, il y a quelques nouvelles plantes. Ah, c'est sympa. Ouais, ah, c'est joli cet arbre. Ok. Là en plus petit, il y a un arbre comme ça, super grand. Ok, c'est quoi ça? Un arbre à fièvre. Un arbre à saucisse. Ok. Ah oui, je comprends pourquoi ça s'appelle un arbre à saucisse. Un dragonnier. Ouais, c'est joli aussi. Dream. Ah ça va être pas mal pour. Pour mettre à des endroits. Ouais, ok, donc après il y en a de différentes tailles. Et des espèces de. Ça ressemble un peu à des cocotiers, des palmiers. Ah oui, bah oui, des palmiers. Ok. Et des palmiers à l'huile. Très bien, donc des nouveaux arbres. Ok. Est-ce qu'il y a des nouvelles pierres? Non. Des nouveaux trucs d'habitat peut-être. Je pense pas, ouais non. Pas de nouvelles clôtures non plus, bah non. Service, bah non, je pense pas non plus parce que de toute façon. Ah si, il y a peut-être des trucs sur l'Afrique. Des. Voilà. Ah pas mal les petits bancs. Stylé. Stylé. Très Aladdin quoi. Ok, pas mal. On va aller. Donc, on va aller. J'irai regarder un peu sur le workshop s'il y a déjà des choses. Sinon, on continuera un peu cette zone-là. Et voilà. Je me répète et je fais traîner. Allez, donc sur ce, moi, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Et je vous dis à bientôt pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut à tous. Ciao!